Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent avec Emma. Et donc là, je vais piocher un paquet au hasard dans le carton. Et alors, ça va faire un petit peu de bruit parce que je... Voilà, j'en ai pris un. Alors, l'étiquette est tombée, c'est pas grave. De toute façon, on a fait comme ça hier. Donc, on est le 11 décembre. Alors, pour le 11 décembre, j'ouvre quoi ? Par contre, Emma, elle n'a pas les idées sur le scotch sur celui-là. Ouf ! Autant dire qu'elle a fait comme moi. Elle a mis du scotch. Hein. Je suis pas sûre que certains paquets cadeaux, ça va être facile à ouvrir. Parce que j'ai mis la dose, j'avais peur que ça se dépasse. Oh ! Une mousse micellaire nettoyante de chez Corinne de Farm. Donc, je connais pas du tout. La marque je connais, j'ai jamais testé ce type de produit. Alors elle a mis du scotch pour éviter que ça se défasse. Bonne idée parce qu'avec la poste, on est tout à fait d'accord qu'ils sont pas doux avec les colis. Donc alors je vais remettre le... Et c'est vrai que c'est... Voilà. Alors ça sent très très bon. Alors comme je suis un petit peu mise catastrophe, j'ai évité d'appuyer dessus pour... éviter d'en mettre partout sur mon lit. Mais par contre, je sens l'odeur. Ça sent, mais c'est magnifique. Alors, elle nettoie, démaquille, tonifie pour les peaux sensibles. Donc, Corinne de Farm, je connais. C'est vraiment des produits qui sont vraiment doux pour la peau. Même si je n'ai pas spécialement testé. Mais ça a bonne réputation. C'est hypoallergénique. Et c'est à l'extrait de bleuet. Donc, les bleuets, le bleuet pour les yeux, c'est très, très, très... très bon pour la peau aussi, donc franchement je suis sûre je vais adorer. Donc je sais pas si... non je pense pas que ça se mélange. Ça doit se transformer en mousse quand on le pchit. Donc je vous montre. Je suis ravie. Je pense que je vais le tester dès demain. Donc là je suis pas maquillée, donc je vais juste me nettoyer le visage à l'eau avec du savon. Un savon nettoyant normal, doux pour la peau. Et... excusez-moi. Alors, conseil beauté, appliquer matin et soir sur le visage, humide, massé légèrement du bout des doigts, rincer abondamment. Et voilà, donc je pense pas l'emmener chez mes parents parce que ce soir je vais dormir chez mes parents vu qu'on est mardi et que je vais au karaté. Et que c'est quand même c'est quand même grand, c'est une bouteille de 150 ml, c'est quand même volumineux. Et que chez mes parents j'ai ce qu'il faut de toute façon, j'ai presque tout en double chez mes parents et ici, donc que ce soit mes eaux florales, ma crème hydratante, ma brosse à cheveux, enfin j'ai tout en double, donc j'ai vraiment pas besoin d'emmener quoi que ce soit. Et des maquillants aussi, j'en ai chez ma mère, donc dans sa salle de bain il y a ce qu'il faut. Et c'est, c'est extrait 100% naturel, donc ça va être certainement très bonne compo. J'adore, merci beaucoup Emma. C'est vraiment le type de produit que j'aurais pas forcément pensé acheter parce que moi je me démaquille souvent à l'huile de coco. Surtout en été parce que là en ce moment j'ai une bouteille d'huile de coco, donc elle est toute figée et j'arrive pas à la faire fondre et que c'est très compliqué à faire fondre. Du coup c'est vrai que j'utilise le lait démaquillant que tu m'avais offert et je vais alterner avec ça. Et ça je pense que pour la peau du visage ça va être très très bien et que le démaquillant... En petit volume, c'est très très pratique pour enlever les paillettes. Oui, quand j'ai fait des tests de make-up paillettes, que vous allez bientôt voir en vidéo, ça se défait très 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 bien. Ça, comme c'est un peu gras, c'est un peu crémeux, ça prend la paillette, ça l'enlève très très bien. Mais ça, je pense que pour la paillette, ça ne marchera pas trop, trop léger. Donc ça, quand je fais des make-up sans paillettes, ça peut être très très bien. Et même pour nettoyer la peau, ça va être génial. Je ressens. J'adore, j'aime beaucoup l'odeur. Merci Emma, donc je mettrai sa chaîne en barre d'infos, comme d'habitude. Et je vous dis à demain pour le jour numéro 12. Voilà, parce que là on est le 11. Je crois que je vous ai dit le 12, je me suis trompée. Oui, demain on sera le 12. Allez, bisous, à demain, bye bye.